Voyons comment tracer le rayon émergent correspondant à un incident donné, dans deux cas, la lentille convergente et la lentille divergente. Pour la lentille convergente, voici le rayon incident dont on veut connaître l'émergent. On va passer par le rayon qui passe par le centre optique de la lentille et qui n'est pas dévié. Ce rayon vient couper le plan focal image en un point, le foyer secondaire image, et on sait que deux rayons parallèles viennent se couper en ce point. On obtient donc la direction du rayon émergent correspondant à l'incident donné. Nous allons faire le même travail avec la lentille divergente. Donc voici le rayon incident dont on veut connaître l'émergent. Nous allons tracer le rayon qui passe par le centre optique de la lentille et qui n'est pas dévié, qui est parallèle à ce rayon incident. Ainsi, on sait que deux rayons parallèles qui arrivent sur une lentille divergente ont leur émergent qui semble venir du même point, un point du plan focal image qui est appelé le foyer secondaire image. Donc, le rayon émergent correspondant à cet incident a une direction qui semble venir de ce point ici. Et voici le rayon émergent tracé.